Ça vous dit 5 phrases simples mais super utiles pour le quotidien en libanais? Bien sûr que oui, on va commencer ce rendez-vous libanais du vendredi par ces 5 phrases que je vais vous donner dans quelques instants et ensuite je vais vous parler un peu de l'actualité culturelle autour du Liban mais en libanais pour que vous puissiez entraîner votre oreille à la compréhension orale. Première phrase simple les amis, comment demander l'heure à quelqu'un? C'est super facile. En libanais, on dit « combien est l'heure ?» Mais sachant que « être » est sous-entendu quand il est au présent simple, finalement, on se retrouve avec « combien l'heure ?» « Combien » c'est « edde ». Parfois, on entend également « eddesh ». C'est exactement la même chose, c'est juste deux accents différents. L'heure, qu'on dit, et c'est le même mot pour la montre d'ailleurs, c'est le mot « sea ». L'heure déterminée, ça va nous donner LCA, ce qui nous donne EDLCA ou bien EDHLCA. Vous savez quoi? On va se servir de ED aussi pour faire une deuxième phrase qui est essentielle. Vous rentrez dans un magasin, vous rentrez n'importe où on achète des choses, sans même connaître le nom de la chose que vous souhaitez acheter, c'est tellement facile d'en demander le prix. Il suffit de montrer du doigt et de dire quel est son coût. Quel est son prix? Si c'est quelque chose de masculin, vous pouvez dire addehao ou bien addehao en fonction de l'accent. Et si c'est quelque chose de féminin, addeha'a, qu'on peut également prononcer addeha'a. Si vous cherchez à utiliser plus de mots libanais que français ou anglais, et si vous avez envie de demander à quelqu'un, mais comment on dit tel ou tel mot en libanais? Au lieu de poser cette question en français ou en anglais, pourquoi ne pas le demander directement en libanais alors que c'est super facile? Comment dit-on? On peut dire « kif menoul ». Vous choisissez le mot que vous voulez, un téléphone, une pomme, une chemise, ce que vous voulez. En libanais, « bel lebnene ». Kif menoul, une pomme, bel lebnene. Facile, non? Quand vous vous présentez, les amis, que vous avez juste besoin de dire vos origines, d'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous venez de France, d'Italie, de Grèce, de ce que vous voulez? Eh bien, c'est tellement facile. En deux mots, moi, Anna, de, men, Belize, par exemple, Paris ou França. Anna, men França. Allez, une dernière phrase, mais tellement facile. Où que vous soyez, quand vous avez besoin de montrer que vous voulez quelque chose de particulier, on peut reprendre notre exemple d'un magasin tout à l'heure, mais on peut très bien prendre l'exemple d'un restaurant où vous regardez une jolie vitrine avec des plats dedans, ou bien quand vous êtes chez quelqu'un. Il vous demande de choisir entre tel ou tel plat ou telle chose qu'il veut vous donner. Je veux ceci. Je veux cela. Je veux ça. Eh bien, Badde, c'est je veux. Si ce que vous demandez est masculin, vous pouvez dire Badde Haida. Et si c'est féminin, Badde Haide. Badde Haida. Badde Haide. Facile. Allez, préparez-vous maintenant, mode immersion. Je vais vous parler de deux news que j'ai choisies, que j'ai vues au courant de la semaine, mais je vais vous les raconter en libanais pour faire travailler votre compréhension de la langue. Mais avant tout, permettez-moi de dire ahla ou sahla pour tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur la chaîne. À deux pas du Liban est une école de libanais. Bien sûr, vous pouvez venir vous inscrire avec moi en cours d'essai pour qu'on progresse ensemble. Vous avez toutes les informations qui s'affichent à côté de moi. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas le temps de prendre de rendez-vous, de me rejoindre via YouTube. Et oui, en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en bas de cette vidéo et de n'importe quelle vidéo d'ailleurs, eh bien, vous allez voir apparaître une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment vous allez pouvoir progresser en libanais grâce à deux pas du Liban sur YouTube et sans prendre de rendez-vous. Fi mourenne libnein ktir men hubbo a deux pas du Liban. Ta'rfou ismo Anthony Toumba. Et ça peut être zakar ou mnir, amelet interview ma Anthony men kam sene ou dalkon la ekher hal vidéo rahantulkon el link la taqdrou terja'ou tahdarou. Anthony Toumba ktir chater bighanni mnir موهوب ونعرف كمان كتير بفرنسا خاصة انه قطع ببرنامج The Voice مرتين وما زال عم نحكي على The Voice يمكن سمعته كمان عن غير فنان مش لبناني بس كتير معروف كمان اسمه MB14
كمان بين بذا فويس وهو بتعرفه كتير شاطر بالبيت بوكس وحتى بالغنى. يلي بدي اقول لكم اياه انه انتوني توما وام بي 14 طلعوا غنيه كتير مهضومه اسمها حبيبي يا ليل. اكيد ما فيني اسمعكم اياها على اليوتيوب، بس اخر هالفيديو رح حط لكم لينك لتقدروا تحضروها دغري. عن جد كتير مهضومه، وانا كتير ضحكني مقطع من هالغنيه، تبوا اسمعوها واذكروني. انتوني توما بيحكي عن قصه سيخ كفته وسيخ طاووق. وكمان اذا بتلحقونا من زمان اكيد سمعتوا بال 2019 وقت خبرتكم عن فرقه رقص لبنانيه كتير حلو رقصهم، عن جد يعني بياخد العقل، اسمها بالانجليزي او بالفرنساوي بنسمع ذا مياز مياز، بس هي كلمه عربيه تنلفظ مياس. والمياس je passe en français la meilleure traduction que j'ai c'est la parade du lion vous savez ou de la lionne quand on fait les fières. Et comme c'est qu'une troupe de femmes composée de femmes, on va plutôt parler de la fierté des lionnes. ب 2019 هالفرقة يلي جمعها نديم شرفين ربحت Arabs Got Talent، وبذات السنة راحوا على Britain's Got Talent وكمان ما ربحوا بس كتير انشهروا. بس يلي بدي خبركن اياه انه مبارح قطعوا ب America's Got Talent وحذروا شو اخدوا The Golden Buzzer. انتو بتعرفوا كتير منيح انه وقت في فنان او فرقة بتاخد The Golden Buzzer منن عايزين بقى يكفوا الاوديسيون، بيروحوا مباشرة على اللايف على الديريكت، وهيدا عن جد شيء كتير حلو وبتمنى لهم النجاح، لانه عن جد الرقص يلي بيقدموه كتير حلو وبيجنن. Les amis, on arrive à la fin de ce rendez-vous libanais du vendredi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez regardé un peu la publication que j'ai faite pendant la semaine, j'ai légèrement modifié le calendrier de publication des vidéos. Au lieu de sortir une vidéo le samedi, maintenant je me suis concentré sur une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi qui continue à être notre rendez-vous libanais du vendredi. J'ai l'impression que vous aimez bien ce calendrier. En tout cas, je vous remercie pour le très bel accueil de la vidéo que j'ai faite mardi sur mes souvenirs d'enfance avec le départ du Liban vers la France. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'a pas encore été fait. C'est le meilleur moyen de nous montrer votre soutien. Bye bye ya halouine.